randonnée passe son temps également dans ces deux jolies villes. Alors qu'on vient d'apercevoir la tribune présidentielle avec Didier Gayaguet, président de la Fédération, Gérard Balthazar, président de Télé-Grenoble, et d'autres personnalités, je pense à Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui est bien sûr ici avec nous ce soir. Ah, ça va tout de suite, hein. Oui, ça va tout de suite plus haut, plus vite, quand il atteint la devise olympique et sans doute plus fort. Sur le thème du livre de la jungle. Double axel. Patineur longiligne, hein, on le voit. Hein. Assez grand de taille. Pirouette finale très très rapide, très bien, très bien. L'énergie de ce Tom Bouvard s'est propagée dans les tribunes sur ce magnifique thème du livre de la jungle de Walt Disney. Je vous ai presque vu danser, Son. Oui, c'est un programme très très entraînant. Ce que vous disiez tout à l'heure, en revanche, sur la dimension de la patinoire, qui est une remarque très exacte parce qu'évidemment elle empêche de prendre trop d'élan et donc elle empêche des triples sauts. On voit beaucoup de doubles sauts ce soir qui sont parfois très bien effectués, mais il y a une raison à cela, c'est celle que vous indiquiez. Ils sont de Grenoble, ils ont fini 3e au championnat de France. Mesdames et messieurs, c'est la discipline peut-être la plus dangereuse du patinage. Ils ouvrent ce soir ce gala dans cette discipline. Accueillons Colin Kerriven et Noël Antoine.